Aujourd'hui, j'aimerais aborder une question intrigante. La fibromyalgie peut-elle provoquer des migraines ou des maux de tête? En tant que médecin spécialiste, j'ai rencontré de nombreux cas. Prenons Emma. À l'âge de 32 ans, elle a commencé à ressentir des douleurs diffuses dans tout son corps et la fatigue et des maux de tête persistants. Au départ, elle a considéré ces symptômes comme de simples signes de stress et de surménage. Mais au fil du temps, la douleur d'Emma s'est intensifiée et les maux de tête sont devenus plus fréquents et plus graves. Elle a consulté plusieurs médecins et on lui a diagnostiqué une fibromyalgie. Ce diagnostic a permis de mieux comprendre ces symptômes, car les personnes atteintes de fibromyalgie sont 3 fois plus susceptibles de souffrir de migraines ou de céphalées de tension que le reste de la population. La recherche a montré que la fibromyalgie affecte le système nerveux central, entraînant une sensibilité accrue à la douleur et aux stimuli sensoriels. Cette sensibilité accrue peut déclencher des migraines ou des céphalées de tension. N'oubliez pas, si vous ou quelqu'un de votre entourage présente des symptômes de fibromyalgie ou de maux de tête associés, n'hésitez pas à consulter un médecin avec un traitement approprié. Nous pouvons améliorer la qualité de vie de personnes qui souffrent de fibromyalgie.